Yo tout le monde, c'est Killa, j'espère que vous allez bien, ouais, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Arc Mode, du coup avec Dragon Punk Mythical. Alors les belles créatures qu'on a pu voir, le loup-garou et toutes les autres, on est retourné aujourd'hui, c'est reparti et j'ai beaucoup de mal à parler, ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo, ça devient très très grave. Donc on va faire ça, on va aussi utiliser le mode Pegasus aujourd'hui. Il y avait Ozocraft aussi que je devais vous présenter, qui est juste là, cette petite table juste ici. C'est un mode de construction, hein, ni plus ni moins. Et il y a des petits soucis avec en fait, quand on passe la souris dessus, on ne voit pas ce qu'on est censé crafter, du coup, enfin les composants qu'il nous faut pour les crafter, donc du coup c'est un peu casse-couille. Je voulais tout me give, mais attendez, je vais faire ça pour vous montrer. Voilà, il y a énormément de trucs, du coup ça va être très très long à give, étant donné que je voulais faire une maison. Ça veut dire qu'il faut que je give je sais pas combien de fondations, blablabla. Donc du coup, ça on fera un autre jour, on va s'occuper aujourd'hui plutôt des créatures. Alors je voulais aller sur Dinotopia et par réflexe en fait je suis retombée sur le Shigo Island, tout simplement. Je pense que c'est à force de faire du arc RP. Tout simplement, je sais pas, bêtement, j'ai cliqué dessus. Alors que, bah, à la base, c'était Dinotopia qui était censé se lancer. Donc, du coup, je suis avec mon petit griffon qui est là. Est-ce qu'il est pas super beau, sans déconner? Bon, il a un petit problème au niveau des yeux, mais sinon, il est hyper beau gosse. Donc, on va, hop, repasser en mode... Ah oui, je voulais vous présenter un autre truc aussi, mais je vais pas le faire. En fait, je voulais vous présenter le mode au naturel. Donc, au naturel, c'était en mode... du workshop où du coup bah en fait voilà, c'est au naturel quoi, donc il n'y a pas de de stuff sur nous, enfin la brassière et la culotte pour les meufs, en fait ça y est pas, et c'est au naturel quoi, il n'y a rien. Et du coup j'ai regardé et au final c'est trop au naturel, et je pense que YouTube eux ils aiment pas trop quand c'est comme ça, donc je pense que je vais me prendre un blâme si je fais ça, donc je vais pas le faire. Mais voilà, attendez, je sais pas si là on peut le voir, non non non, j'ai pas montré de toute façon, ou s'il aurait fallu à la limite que je fasse un petit truc pour cacher. Ah si, à la limite. Je vais faire un petit truc et je ne bouge pas ma caméra. Comme ça, pas besoin de m'emmerder. Ah mais c'est bugué. Ah ouais, c'est bugué mon gars. C'est bugué. Parce qu'en fait, il y a un petit bug à la con. En fait, quand on s'équipe d'une armure et qu'on l'enlève, en fait, là où il était censé avoir la brassière avant, en fait, bah, on va dire qu'au niveau de la poitrine, à ce coup, ça devient tout transparent. Il faut remettre un skin dessus, enlever le skin pour que ça refonctionne. Donc, bon, voilà, j'ai caché 2 secondes, comme ça vous avez vu 2 secondes, mais finalement, je vais pas le montrer. Peut-être à la limite, si je fais ça... Bah non, mais là aussi, c'est bugué de toute façon. Ok, c'est de la merde. Donc, on va partir sur nos animaux. C'était très, 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 très bien. Hop, on retourne dessus. Donc, on va faire pop monsieur Pegasus. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Alors, attention, est-ce que tout le monde... J'avais tout préparé, hein. Le petit code et tout, machin. Oh là là. Oh là 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 là. Attendez, 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 j'ai trop la hype, là. Oh la vache, attendez, 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 attendez. Je crois qu'il décolle, du coup. Oh la vache. Ah, il est beau. Bon, par contre, moi, j'aurais peut-être pas mis les yeux comme ça. C'est quoi que j'entends courir de ouf, là? J'entendais pas. Ah, c'est ça? Pas possible, ça court trop vite. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est bizarre. Bon, alors, on va regarder un petit peu comment il est foutu. Donc. Ah, je viens de caler un truc. Ah, ils sont pas fait chier, je viens de caler un truc. Ah, ils sont pas fait chier, les mecs. Alors, du coup, ce que j'en pense, c'est un écus noir, basiquement, avec des yeux rouges. J'aurais pas mis les yeux comme ça. Bon, après, chacun son truc. Et en fait, ils sont pas fait chier dans le sens où c'est des ailes de dragon qu'on voit là, en fait. Parce que regardez, si on regarde depuis le dessus, c'est des ailes de dragon qu'on voit parce que, comme je l'ai toujours dit dans les dans toutes les parties où je joue avec un dragon dans Arc, ça m'a toujours fait flipper un petit peu parce que les ailes de dragon, en fait, c'est l'extension des bras pour certains. Donc, en fait, ça fait vraiment le bras avec, on dirait, des longs doigts. Et c'est vachement flippant. Et là, c'est ce qui arrive. Donc, c'est ça, en fait, c'est les ailes de dragon. On va essayer de voler pour voir. Oh ? What ? Ah ouais, non mais attendez, ils se sont pas fait chier en fait, ouais c'est vraiment ça. Ah c'est pas super beau finalement. Attendez, mais il y a moyen que je décolle ou comment ça se passe? Attendez, on va essayer. Ah ouais, je décolle! Ah ouais, non mais... ah oui! Non mais Pegasus, il est pas encore au top alors. Oh là. Ah oui, non mais attendez. Ok. Attendez, on va décoller. Ah ouais, non, donc, oui. Bon, alors Pegasus, ouais, il est pas encore au top du top. Parce qu'en fait, il marche. Et il vole comme un dragon, du coup. Et, bah, du coup, le mouvement, forcément, de ses ailes ne suit pas forcément le mouvement du corps. Bon, après, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, il est beau. Au niveau des couleurs et tout, il est beau. Mais, moi, à ce compte-là, alors, j'aurais... Ah, par contre, quand tu vas voir comme ça, c'est pas mal.
Ah, c'est quand même pas mal, hein. Mais j'aurais pas mis. Alors, dans ce cas-là, les ailes, je ne les aurais pas mis personnellement de cette couleur-là. Après, c'est totalement personnel. Je les aurais pas mis de cette couleur-là. Comme ça, il y aurait une meilleure incrustation. Mais après, ça reste chouette quand même, hein. Je ne dis pas. Par contre, mes petits bébés, on va vous mettre là parce que je sens qu'ils vont se faire éclater la gueule. Voilà. Pose-toi. Ah, il y a des soucis aussi pour se poser. Hein. Oula, attendez. Parce que, alors là, je crois que Pegasus. Voilà, il a un peu du mal. Attendez, peut-être qu'il fait des trucs de ouf, en fait, on n'a même pas... Non, on n'a même pas regardé. Ok. Ah non. Non, non, bon bah... Oh! 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Arrête-toi! Oh! Oh, putain! Non, non, c'est bon! Wouhou! Alors, on va revenir sur la situation qui vient de se dérouler. Non, alors je pense sans déconner. Alors attends, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. Et on va le faire en plein milieu en fait de la mer. On va le faire en plein milieu de la flotte. Alors attention, on va faire K. On va dézoomer. On va faire C. C, j'ai dit. Ah, il le fait qu'au sol. Merde. Alors attendez. On va se poser. Et là, on décolle, et mon gars, là, ça va voler normalement. Voilà, regardez, regarde-moi ça, regarde. Il pleut, regardez. Oh là là là. Oh, il pleut là. Oh, c'est pas mal. Bon, ok, j'ai rien dit, il est cool. Ok, d'accord, j'ai rien dit, c'est cool. Là, comme ça, je peux te dire, il n'y a plus personne qui m'emmerde. C'est ça qu'il me faut, là. Ça, c'est excellent. On va le poser ici. Et du coup, on va faire pop les autres dinosaures de Mythical Creature. Mythical Dragon Creature, je sais plus. Oh, j'ai du mal avec ce nom, c'est affreux, j'ai trop de mal. On va les faire spawn, on va voir ce que ça va donner. Par contre, on va se foutre là-bas et on va se mettre en fly après. Parce que, vu ce qu'on va faire spawn, là, j'ai les noms devant moi. Hein, ça va être la PLS. Je pense que ça va être la PLS. Donc on va avancer un petit peu. On va se mettre là-bas où il y a le bronto. On va tenter de faire ça. D'ailleurs, au niveau des mises à jour Ark, ça continue. Hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas sans savoir qu'on arrive à la version finale de Ark. Et donc du coup, on se tape des 800 mégaoctets à chaque fois toutes les semaines. La fois dernière, je me suis tapé 3,4 giga. Bah, la semaine dernière, en mise à jour, j'étais bien déprimée. Parce que quand t'as une queue de merde, voilà, ça déprime. Oui, oui, le jackpack, blablabla. On s'en fout. Moi, je veux juste faire spawn des dinos. Et voir ce que ça donne. C'est tout ce qui m'importe. Et je préserve les bébés là-bas. Ça aussi, c'est hyper important. Alors. Hop là. Voilà. Donc pendant que je vais chercher le petit code. Information. Le week-end, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent tout le temps, que j'ai la 4G illimitée. Et que du coup, sur Twitch, je viens streamer. Donc je fais souvent du vendredi 13 ou des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir le week-end. De vous abonner en fait sur Twitch, tout est dans la description, vous abonner en fait sur Twitch, comme ça vous allez recevoir une notification automatiquement dès que j'ai un stream. Personnellement, pourquoi je le fais plus sur YouTube, c'est parce que il y a eu des petits soucis, je trouve, avec la communauté et tout, il y a des moments où c'était pas top, et voilà, je préfère Twitch parce que c'est plus tranquille pour le coup, donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre sur Twitch, vous pouvez le faire, et sachant que les rediffusions se feront toujours aussi sur YouTube, hein, ça y a pas de soucis comme là. Hier, vous avez eu du vendredi 13, bah, c'était la rediffusion de ce week-end en fait, finalement, sur, bah, sur vendredi 13 qu'il y avait sur Twitch. Donc, on va faire spawn le petit, on va mettre en level, on met combien? On met level 1. Je sais pas ce que c'est. On va regarder. Voilà. Mais non, on peut monter dessus? Attendez, ah non, alors attendez. Moi, hop, cheat walk. Ah, je suis désolée là. Moi, on me prend pas par les sentiments. Hop. Voilà. Oh là là. C'est de la merde, mais alors c'est drôle. Attendez, faut que je regarde. Attendez, je vais faire un petit saut. Alors, clic gauche, clic droit. Oh là. Et touche C. Ah, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ah, là, t'as le swag avec ça. Ah, la Kira dans l'élevage, là, elle dégaine. Hein. Ah, je peux te dire, là, ça, c'est de la créature, ça. Et hop, là. Voilà, hop, on va faire un demi-tour. On va la reposer là. On va en faire pop un autre. Putain, la gueule du truc. Chimère, est-ce qu'on l'avait fait pop, la chimère? Oui, on l'avait fait pop, la chimère, je crois. Ma petite chimère, oui. Je crois que c'était mi-dragon, mi-serpent et mi-je-sais-plus-quoi. Alors hop, on va se remettre en fly par contre.
Voilà. Je peux vous dire que s'il y a un gros truc qui spawn, au moins on est protégé. Voilà. Donc la chimère, on l'avait fait spawn Reaper Dog. Par contre, on l'avait pas fait spawn Reaper Dog, je crois. On va regarder. On va regarder ça tout de suite. Attention, bim. Ah, si on l'avait fait spawn, même que j'avais dit que ça ressemblait à un chien un peu à la Illidan. Si, regardez. C'est un peu spécial d'ailleurs. Ouais, c'est pas oufissime, oufissime, oufissime. Hein. Alors, Werewolf, ça on a fait spawn. Le Kraken, on avait fait spawn. Giant Crab, Hydra. Ah, attendez, Hydra, on n'a pas fait spawn ça. Hydra, de nom comme ça, ça me dit rien du tout. Alors, attendez, on va aller regarder. Qu'est-ce que c'est donc, Hydra? C'est quoi, Hydra? Oh non! C'est ma pire phobie! Ah, je ne mens pas, c'est ma pire phobie. Je vais vous expliquer l'histoire. Je suis sûre que cette histoire, je l'ai déjà racontée. Oh la gueule. Ouais, alors je suis sûre que cette histoire, je l'ai déjà racontée. Mais je vais la re-raconter pour ceux qui ne sont pas au courant. Hydra, c'est pour une hydre, en fait. J'ai fait un cauchemar quand j'étais plus jeune, bien plus jeune. D'une hydre à trois têtes, du coup. Donc, les hydres, en fait, c'est les serpents à trois têtes. Et voilà, j'avais fait un cauchemar de cette hydre où j'étais sur le bord d'un bateau, perdu en plein milieu de l'eau. Hein. Il n'y avait rien autour de moi, c'était que de l'eau à perte de vue. Et en fait, il y avait cette hydre qui me regardait. Et en fait, allez, je dirais 10 secondes, en fait, il y avait une des hydres, en fait, qui dégainait sa tête et qui s'arrêtait à 2 secondes, mais vraiment à 2 mm de moi, quoi. Et qui tirait leur espèce de langue fourchue dégueulasse. Du coup, après, hop, elle revenait en arrière. Puis après, c'était l'autre hydre qui faisait ça, puis l'autre, ainsi de suite. Ça m'a traumatisé, ce rêve. Et pour vous dire, je m'en souviens encore. C'est un cauchemar, ce rêve affreux. Donc, du coup, bah là, voilà. Voilà l'hydre. Attendez, vous voulez qu'on force tame ça? On force tame ça? Normalement, c'est bon. Merde. Attendez, on va faire un truc. On va s'approcher, s'approcher. Normalement, là, les force tame. Ouais, ouais, c'est bon. On va monter dessus. Voilà. Ah, j'aime pas trop ça. Ah, ça va assez vite, hein. Ok, ça fait pas de saut spécialement. Hop. Dégueulasse. Donc on va faire un... Ah, j'espère que par contre elle tire pas la tête comme ça, parce que ça, je vous dis, ça va me traumatiser. Donc là on va faire un clic gauche. Ok, elle mort. Clic droit. Ah, alors attends, c'est pas pareil je crois. Clic gauche. Ok, et clic droit. Bam. Ah ouais, ok, elles sont à plusieurs reprises. Et le C. Oh! Allumer le feu. Attention. Attends, je veux le refaire. Michel, s'il te plaît. Wouhou! Par contre, il n'y a pas de son. Hein. Elles ont pas de son. Bon. Chacun son truc. Hein. Hop. Oh, c'était pas mal. Bon, elles me font pas super peur. Ça va. Ça me fait vraiment pas peur. Mais par contre, celle de mon cauchemar, je peux te dire, mon pote, elle me faisait peur. Parce qu'en gros, c'est un petit peu le serpent de... Oh mince. Oh mince. On tatoue Kiki. Le basilic dans Harry Potter. Voilà, le basilic. En plus petit, plus fin. Mais voilà, c'était dans cette thématique-là. Alors, on va se mettre là. On va invoquer les autres petits copains. Donc l'hydre s'est fait Giant Crab. Ça, on l'avait pas fait, le Giant Crab. Après, on aura Cerberus, boss non tamable. Oh, donc on repart après encore sur un boss. Ça va durer 10 ans. Mais lui, je vais le foutre à moitié dans la flotte, je vous le dis tout de suite. Alors, hop, on va, attention, le Giant Crab. C'est parti. Oh, God. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, on va essayer de le tamer. Normalement, il va vouloir m'attaquer. Voilà. Attendez, on va le mettre en force tam. Voilà. Oh, j'aime pas trop parce que ça fait penser à une araignée. Ah, ça va vite, hein. Ah, ça va hyper vite. Alors attends, clic gauche, clic droit, et C. Ah, C, c'est... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que je me fais attaquer. Attends. On va regarder. Genre, il passe pas mon truc ou quoi? Il est nul comme crabe. C'est bon? Je crois qu'il est mort. Bon, bah il est pas ouf comme crabe. Hein. Je crois que c'est des niveaux. Hein. Bon, il saute pas. Ah, il a peut-être des facultés dans la flotte. Alors attendez, peut-être qu'il a des facultés dans l'eau en fait. Penses-tu? Il a rien du tout dans l'eau. Il est nul. Il est nul.
Il est sympa en termes de modélisation, mais il est nul. Il a pas des... Oh, regardez! Il fait du moonwalk. Bon, il a pas des grandes... Pas grave, allez hop. On avance. On va faire pop... Le Cerberus, écoute, on va le faire pop à la fin parce que je vous le dis tout de suite, je le sens mal, le truc. Je le sens mal, mais alors... De ouf. Par contre, là, je vais m'apercevoir d'un truc qui est cool. Que je connaissais déjà, mais je le faisais jamais. C'est d'enlever, en fait, tout simplement l'ATH du jeu quand je vous montre des trucs. Je me dis que c'est plus immersif et c'est plus cool pour vous. Donc, je vais peut-être faire ça à chaque fois, maintenant. C'est chouette. Alors... Ensuite, donc, Cerberus, on ne fait pas. L'hippogriffe. Oh, l'hippogriffe. Ah oui, bah alors ça, Kiki, elle dit pas non. Vous me connaissez, moi, quand on prend par les sentiments ou qu'on me parle de Buck, moi, je ne dis pas non. Ah, mais je l'avais fait. Je l'ai pas fait, celui-ci. Ou c'est qu'il ressemble beaucoup au griffon et du coup, je suis à masse perturbée, là. C'est bon? Non, je sais pas. Attends, on va attendre qu'il refasse un petit tour. Voilà. Et ben voilà. Et il va se poser. À moins que je peux me monter. Voilà. Bon, alors. Ah bah on va les mettre l'un à côté de l'autre. Allez, on va aller voir. On va les foutre l'un à côté de l'autre pour regarder un petit peu la différence de gueule. Donc déjà au niveau de la queue, elle a l'air d'être vachement similaire. Après graphiquement parlant, on n'en parlera pas parce que ça n'a rien à voir quoi. C'est pas les mêmes développeurs et puis les mecs... voilà quoi. Il veut pas se poser lui, il sait pas se poser. C'est quoi ce bordel? Attendez, peut-être qu'il faut que je me foute plus à terre. Voilà. Ah voilà. Ah, il bouge. Oh la vache. Ah, lui, par contre, il est vachement droit comme hippogriffe. Comparé à notre copain. Donc, on va faire un clic gauche. Clic droit. Il fait rien. Essaye, il fait rien. Alors, maintenant, on va essayer en vol. Parce que c'est fort probable qu'en vol, il y ait quelque chose. Clic droit, il fait rien. C, il fait rien. Bon. Ok. Il n'y a rien de bien ouf. Oh, et la façon qu'il a de stagner aussi, c'est rigolo. Bon, alors, lui, il est pas folichon de ouf. Hein. Alors, on va le poser. Ça me fait peur, à chaque fois j'entends des gros pas lourds. Tu te poses maintenant. T'arrêtes ton bordel. Mais le truc, il va falloir que je fasse un zoo. Je vais faire un arc zoo, tu vas voir. Le bordel. Hop. Ouais, ils sont cool. Eh, le crabe, franchement, en termes de style, il claque pas mal. Bon, mi-coque, mi-dodo, mi-je-sais-pas-quoi, là, il me fait rire. Bon, on va se mettre comme ça. Ouais, comme ça, ça va être bien. Donc, le stone golem, on l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Comme le Ice Golem qui va suivre, on ne l'a pas fait non plus. Donc on va regarder. C'est parti, un petit niveau 1, pas dégueulasse. Hey wow! Mal poli. C'est bon? Ouais, c'était bon, je crois. C'était bon. Ouais, c'est bon. Alors, comment ça se passe là? Je suis où? Ah bah là en fait c'est comme si c'était j'incarnais le golem ou c'est qu'en fait ça va pas super vite. Comment ça marche? On dirait qu'il porte les courses, tu sais quand t'es trop lourd et que tu portes les courses et que du coup t'es comme un con dans la rue. Regarde, on dirait qu'il a ses petites courses, gauche droite gauche droite. Bon alors attention, on va faire un petit clic gauche. Petit coup, petit clic droit. Petit coup, ah uppercut là. Et le C, on tape dans les mains. Ouais, bon bah. Mais il a des dés. Il a une façon d'avancer qui me fait rire. Tu portes des courses, ni plus ni moins, regarde. Attends chérie, t'as oublié le papier de toilette? Mon amour, attends. Je t'ai dit, attends. Il me fait rire. Il a une dégaine qui est assez excellente. Bon. Oh, merde! Merde! Putain, c'est quoi ce bordel? Je passe sous map les mecs là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, donc le golem est bugué. Ok, donc faut pas paniquer, on va faire un truc. Alors ok, c'est rien. Le golem est totalement buggé. Puisque là, ça veut dire que je vais repasser encore... Ah putain. Alors attendez. Totalement buggé, c'est-à-dire que maintenant, voilà, à chaque fois je vais passer sous la flotte. Il faut que je fasse une déco-reco. J'ai pas envie de faire une déco-reco. Parce que moi quand je joue, j'ai envie de profiter. J'ai pas envie de faire des déco-reco à chaque fois, c'est chiant. Donc, bon... Alors, bon, bah, de toute façon, merci le golem, merci beaucoup. Faire bugger les gens, là. Bon, le golem, vous notez, hein. Vous faites pas spawn, hein. Il est cool pour porter les courses, mais après, ça s'arrête, là. Oh, il est cool! Oh, attendez! Attendez, attendez, attendez. Je vais faire style de lui mettre une tarte, voilà. Comme ça, il reste avec moi. Regardez! Je suis sûre, en le regardant comme ça, il me fait énormément penser aux arbres vivants dans le Seigneur des Anneaux. Ça m'étonnerait pas, du coup, que ça soit en rapport avec ça. On peut monter dessus? Yeah!
Oh non, mais ils ont des dégaines, sans déconner. En termes d'animation, faut refaire, là. Donc, clic gauche. Donc, alors, attendez. Là, je suis où? Ah, mais je me vois pas. Alors, donc, gauche. Droit. C. On tape du pied parce qu'on n'est pas content. Oh là là, mais ça, ça va être chiant. Ça va être chiant, les copains. Moi, je vous le dis, ça. Ça va m'emmerder, hein. Ah, ça fait chier. En plus, par contre, alors, ça, c'est très con. Il y en a dans les jeux qui ont la peur du vide, qui ont peur de certains trucs. Bah, moi, dans les jeux, j'ai peur de l'eau. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit être de tirer de ma vraie phobie. Dès que je rentre dans l'eau, je panique, en fait. Et là, à chaque fois que je tombe dans l'eau, je suis paniquée. C'est très con, c'est un jeu vidéo. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Mais c'est comme ça. donc, l'arbre, ok, il me fait penser au Seigneur des Anneaux. Et là, bar guest. Bar guest, ça me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas la fameuse araignée de merde là, dont j'avais parlé avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ah non, c'est un petit chien! Eh hey, oh oh oh! Poli hein! Attends. Bim! Voilà! C'est comme ça qu'on les calme, mais on baisse la tête s'il te plaît! Ouais, nickel! Ah! Attendez, à la fin il nous reste le boss! Ouais, il y a le boss à la fin, j'allais arrêter là. Oh! Ah bah t'as qu'à pas chercher la merde, hein, tu te débrouilles. Hein. Tout de suite il m'attaque. Oh, le bordel. Oh là 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 là. Oh le fight. Oui, il est mort. Oh le bordel. Et du coup ils sont tous niveau 1, donc je pense que leurs statistiques, tout le monde a les mêmes stats en fait, je pense. Donc ça va durer longtemps. Mais longtemps. Mais longtemps. Il saigne au moins un peu. Oh là 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 là. Ah, il saigne, je crois que j'ai vu. Non, non. Des conneries, c'est pas. Il saigne pas du tout, c'est des conneries. Bon, je vais reculer, on va faire pop le boss. Comme ça, ça va calmer tout le monde pour la fin de cette vidéo. Ils vont arrêter de me faire chier. Ah, ça y est. Ah non. J'ai cru que les flammes s'étaient éteintes et puis penses-tu. Ça va durer longtemps le bordel, je le sens. Oh, à moins que le truc dont je vous ai parlé là, ce que je regardais. Le boss, c'est l'araignée. Ça m'étonnerait pas que ça soit l'araignée. Et si c'est ça les copains, Kiki panique. Alors attendez, on va le chercher. Donc Cerberus, c'est ça. Non tamable. Ça se trouve c'est Cerberus. Alors attendez, on va le faire spawn ici. Écoutez Cerberus, on va le mettre d'un niveau assez élevé, comme ça il va calmer tout le monde. On va le mettre en niveau 5, assez élevé, niveau 5. Super. Attention. C'est quoi? Ah! C'est un chien à trois têtes. Allez, va aller voir là-bas. Vas-y. Je t'en prie. Tu peux y aller, copain. Attendez, est-ce que je peux le force tam? On va essayer. Ah si, oh là 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 là. Il va le calmer l'autre, tu vas voir. Il va le calmer là. Bah, allez. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, il y a peut-être un truc là. Je vais faire attaquer cette cible. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Complètement pété le truc. Ça va durer 10 ans. Qu'est-ce qu'il fout? Ah super. Bah attendez, moi je vais en faire en spawn un autre Cerberus. Ça va calmer tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite hein. Allez, un niveau 30. Allez, allez à l'attaque. Ils sont trop mous les autres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas possible, ils sont buggés. Je vais faire en sorte de bouger pour voir si ça va aller. Ah ça y est, ça y est. Ça y est, baston. Oh le combat de Clodo. Oh le combat de Clodo. Nul, nul, nul. Pour terminer cette vidéo, nul à chier. J'aurais dû mettre Pegasus à la fin. Nul. En plus de ça, je me retrouve à passer sous la map. Comme une merde.
Même en ghost et en wolf, ça marche pas. Enfin, quand je passe en ghost et je me refous en wolf, ça ne fonctionne pas. Nul, nul ce combat final, nul à chier. Attendez, moi je vais regarder pour un autre parce que là ça va me déprimer. Alors le Kraken, ça on l'avait vu, Cerberus, bah ça on l'a vu. Mais je ne vois pas où est-ce qu'elle est cette araignée, hein, dégueulasse, qui me fait peur. Parce que là je les ai tous faites. Hein. Chimère machin, bah si, bah j'ai fait aussi. Cyclope, nanana, je regarde. Attendez, je vais regarder directement depuis... Hop, depuis là, on va regarder... Depuis le workshop. C'est bizarre, ça. Moi, je vous le dis, c'est bizarre, les copains. Parce que là, je l'ai en photo. C'est quoi, ce bordel? Ah, quoique, tu me diras, il y en a deux que j'ai pas fait. C'est quoi, ce bordel? Attendez, on va regarder dans la section discussion du workshop. Nanana, nanana. Voilà, spawn commande. Peut-être que le mec a rajouté des trucs. Ouais. Bah écoutez... Bah non, bah... Il a tout mis apparemment. C'est bizarre, je vois pas. Puis chimère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas vrai. Ouais, nananana. Je ne le vois pas. C'est pas l'hippogriffe, c'est pas le golem. C'est pas le crabe. Alors attendez, on va essayer de faire par suppression. C'est pas le crâne. C'est pas l'hydra parce que ça c'était l'hydre. Le kraken, c'est pas le kraken parce que ça on l'a fait. Cerberus, on vient de le faire. Hippogriffe, c'est pas les Stone Golem, Ice Golem, Fire Golem. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Écoute, on va faire un Fire Golem pour voir. Normalement, c'est pas du tout ça. Normalement, il y a le combat d'autiste qui va reprendre, là. Hop. Golem, normalement, ça va être un golem encore tout pété. Merde. J'ai encore oublié des mots. On va refaire un petit spawn dino, c'est pas grave. Hop. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe aussi, hein, les coulisses d'une vidéo. Ah, c'est pas toujours... Il y a tout qui arrive comme ça. Hein. Faut s'emmerder aussi à taper des codes. Hein. Hop, voilà. Oui, bah c'est bien ce que je pensais. Bah, vas-y, va dans le combat, toi, là. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Oh là là. Mais on va jamais finir. Alors, c'est pas non plus Trient, ça n'a rien à voir. L'hippogriffe, c'est pas ça. Werewolf, ce n'est pas ça. Reaper Dog, on l'a fait, c'est pas ça. Chimère, Cocatrice, on l'a fait, c'est pas ça. Weaverd, on l'a fait. Mountain Dragon, on l'a fait. Dragon Rex, on va le faire. Je crois qu'on l'a fait. Cyclope, c'est pas ça. Barghest non plus. Phoenix non plus. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Bah non, regardez. Bah non, bah voilà, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fuit. Ah bah lui, il a compris la technique, faut fuir. Il fait des petits cercles quand il marche. Bah écoutez, peut-être que ça a été enlevé parce qu'elle buguait, je sais pas. Je ne l'ai pas dans mes spawn commandes. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Il va aller voir mes copains? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, me dis pas qu'il va direct aller s'attaquer à l'hippogriffe et au Pégase? Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il va aller s'attaquer à eux. Et je les ai foutus en neutre. Parce que là il est pas crédible du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ah c'est bon, il s'est calmé. Bon écoutez les copains, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. En attendant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça a été cool de la tourner. On a terminé pour ce... Qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il repart. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux faire l'outro de la vidéo? Mais viens donc Michel, viens donc. Donc du coup attends, j'espère vraiment que cette intro, mais n'importe quoi. Parce que je dis à Michel qu'il faut qu'il fasse l'outro, faut que je parle d'intro, n'importe quoi. Je dis de la merde. D'ailleurs, on m'a dit que je parlais trop vite apparemment pendant mon intro. Donc je vais essayer de me calmer, parler moins vite ou sinon écourter mon intro tout simplement. Alors j'espère vraiment en attendant que cette vidéo vous aura plu, moi ça a été le cas, ça a été bien cool du coup, ce mode Dragon Mythical est clôturé.
pour le moment. À part l'espèce d'araignée, là, j'ai pas trouvé son spawn command. Je comprends pas pourquoi, parce que là, j'ai tout devant moi et je ne la vois pas apparaître. Bon, tant pis, que voulez-vous? À moins que j'ai pas tout sélectionné. Je vais regarder, ça finit par quoi à la fin dans le mode. Attendez, admin spawn command. On regarde le dernier, c'est quoi? C'est Phoenix. Bah non, bah c'est ça. C'est bien ça. Phoenix, et le premier, ça commence par Cocatrice. C'est bien ça. Donc du coup, non, il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas me répéter 10 fois. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et pour des prochains modes Arc. En attendant, n'hésitez pas dans les listes... Dans la liste. Mais Kiki, arrête. Mais arrête. On peut plus. On peut plus. Moi, je vais léguer ma chaîne. Je vais léguer ma chaîne. Je vais faire un... Je sais pas. Je vais ouvrir un truc. Je vais la léguer à Bubu ou à quelqu'un d'autre, je pense, parce que là, il est temps. Je pense que Kiki, au bout de 3 ans, 4 ans de YouTube, il est temps que j'arrête. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.